L'école en mille morceaux. Recueil littéraire écrit par Jean-Charles Bourquin. Commencé le 19 mars 2020. Lu et enregistré par lui le 8 mai 2020. Stress de plume. Je dois écrire de plus en plus vite, dois écrire de plus en plus vite, écrire de plus en plus vite, écrire plus en plus vite, écrire plus vite, écrire plus vite, écrire vite, vite. Bambin rebelle. Jean-Michel Blanquer est un bon ministre. Jean-Michel Blanquer est un bon sinistre. Jean-Michel Blanquer est un con sinistre. J'aime pas l'école. Na. Versailles, palais du mensonge. Le patrimoine de la France peut s'enorgueillir du château de Versailles. On vient du monde entier pour admirer ce joyau architectural. Louis XIV était un grand roi. Et ta gueule, et les dragonnades! Jeune homme, j'exige que vous. Cieux, il y a aussi l'homme au masque de fer. Napoléon, le Minus. Napoléon Ier n'était pas grand. Sur son cheval, il était encore plus petit. Les hommes de Lascaux étaient beaucoup plus grands. Aucun sur un cheval et personne à la guerre. Pauvres escargots. Dissection d'un escargot bouilli par la professeure de sciences naturelles. Mauvaise note. Écriture peu soignée, dessin passable, description mal présentée. Plus dur est le souvenir d'une affreuse mort injuste. Souffrance d'abstraction précoce. Combien comptes-tu de triangles isocèles? Combien comptes-tu de triangles équilatéraux? Combien comptes-tu de trapèzes? Combien comptes-tu de losanges? Combien comptes-tu de parallélogrammes? Combien sommes-nous dans la classe? Combien me reste-t-il d'argent de poche? Combien ai-je de crayons dans ma trousse? Combien de petits carreaux sur la page? Combien de lettres dans la dictée? La pluie mouille mon visage, le vent me rafraîchit. De retour à la maison, je me détends. Enfin, le goûter. Orthographe sans faute. J'ai rendu ma copie. J'ai tout compris, mais je n'ai pas tout su.
J'ai essayé deux L à Fidèle, deux M à Chaumet, un R à Charrue, un S à Paresse. 6 sur 10 pour 4 fautes, me dit la maîtresse. Ce qu'elle a fait est plus grave. J'ai bien vu 4 erreurs. Mais ne suis coupable de rien. L'école laïque est de tradition. Au collège Saint-Exupéry, on étudie Le Petit Prince juste avant les vacances de Pâques. Un petit paysan a-t-il moins d'importance qu'un enfant de monarque? Ce qui rejette ou rompt l'égalité des êtres peut-il se refléter dans l'origine divine? Petit savant d'automne. La cour de récréation est baignée de brume. Il fait froid. Les marrons tombent sur le bitume. Les bocs éclatent en un bruit sec. Je contemple les fruits épars. Nous rentrons. Cours de botanique. Les pétales, les étamines, le pistil, les nervures, le pétiole, le limbe, les fruits, les graines, les racines, le tronc, la sève. J'ai hâte de retourner voir les marrons. Bonheur de gouache. C'est le meilleur moment de la semaine. Devant moi, sur la table, deux petits gobelets remplis d'eau, trois pinceaux de tailles différentes, un chiffon de coton, une palette en plastique sur laquelle sont déposées 5 belles noisettes des couleurs que j'ai choisies. Et la grande feuille de papier blanc épais qui va accueillir mon inspiration, un paysage printanier. La classe est chaleureuse, la maîtresse félicite chacun. Le temps a passé trop vite. Les calculs du lendemain vont apporter leur lot d'ennuis. Fier comme un âne. Mes jambes fatiguent. Voici bientôt un quart d'heure que je me suis plié à cette terrible injonction de notre institutrice. Va au coin tout de suite, parce que je n'ai pas eu de cesse de blaguer à mi-voix avec mon voisin de table. Arrête de faire l'âne, a-t-elle ajouté en clamant mon prénom. Certains ont souri, d'autres baissaient les yeux en regardant leur table. Puis elle a continué la leçon. Conjugaison du verbe aller au futur simple. J'irai, tu iras, il, elle ira, nous irons, vous irez. Attentif, j'ai commenté en pensée. L'ânesse porte l'ânon. Donc, elle passe devant il, la maman avant le papa. Un âne vit avec son intelligence naturelle, ai-je observé. Je me sens fier comme lui. L'institutrice ira chez les sots.
Je sais compter jusqu'à 20. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Bravo, me dit la maîtresse. Soudain, je dénombre cinq pigeons qui s'envolent d'un toit par une fenêtre de la classe. Je crois que j'ai une joie plus grande à les regarder simplement. Triste herbier. De retour des champs, nos paniers étaient pleins de toutes sortes de petites plantes déracinées soigneusement. Nous les mîmes à sécher sur des tables recouvertes de feuilles de journaux. Rose du jardin, 83 ans, souriait une dernière fois dans la chronique mortuaire. Par-dessus, un coquelicot flétri. La déraison dans la pensée cartésienne. Je pense, donc je suis. C'est ainsi que René Descartes, par une méthodique réflexion, se convainquit de sa propre existence. Et c'est ainsi que de nombreux lycéens courent le risque de s'aliéner depuis des générations en tentant de reproduire son raisonnement pour être bien notés et obtenir leur baccalauréat. Il serait plus exact de parler de faux raisonnement. Un être humain, par exemple, est conçu dans le ventre de sa mère qui le porte durant 9 mois. D'abord minuscule embryon, il vit mais ne pense pas. Il se développe puis naît au monde. Une certaine forme de conscience l'anime, mais il lui faudra du temps pour savoir dire je, et plus encore pour produire une réflexion complexe avec les mots de la langue. Jusqu'à ce point, ce jeune humain a toujours existé, il a toujours été. Ce qui fonde la vie au plus profond d'elle-même ne peut être démontré, mais il est possible de le constater, d'en avoir une sorte de conscience élémentaire en évitant de l'associer à une quelconque croyance. Préparation du 14 juillet. Debout derrière les tables, les bras tombant le long du corps tenu bien droit, le regard fièrement posé sur l'institutrice chef de chœur occasionnelle, nous entonnons l'hymne sacré. Allons, enfants de la patrie, le jour de gloire est arrivé. Je cache ma gêne. Les paroles sonnent faux à mes oreilles. Sont-elles xénophobes? Les ennemis tyranniques désignés sont aussi humains que le sont les révolutionnaires. Leur sang à tous est pur. Mauvaise rencontre dans la cour du collège.
La passion pour la littérature me prend. Après la lecture des Misérables, je poursuis avec l'idiot pendant la pause du déjeuner. Comme le temps le permet, je lis dans la cour du collège tout en me promenant. Non loin de moi, mon professeur d'allemand se lève de son banc et me rejoint. Puis-je savoir ce que tu lis? Me demande-t-il poliment. Surpris, je lui réponds. L'idiot de Dostoïevski. Il s'emporte soudain. Tu es trop jeune pour lire cela. Je suis certain que tu ne comprends pas l'essentiel de cette œuvre. Ces paroles me blessèrent. Au lieu de me proposer son aide, il avait essayé de me culpabiliser au sujet d'une lecture certes ardue, mais qui ne m'avait pas semblé immorale. Découragé, l'esprit de saine curiosité chez un adolescent enthousiaste est bien la marque d'un idiot. La France en carte. Elles sont jolies, ces cartes du pays, avec leurs couleurs vives. Il n'est pas simple de se souvenir et de reproduire le tracé des côtes, des principaux reliefs, des frontières continentales ou des nombreux fleuves qui le traversent. Pourtant, j'éprouve un peu de tristesse. Trop d'images ont manqué. Ce fut surtout lors de promenades ou d'excursions pédestres, mais aussi de voyages en voiture ou en train, que ces paysages m'ont fortement impressionné. Quant aux magnifiques terres ultramarines de France, hier, trop peu dans les livres, car trop loin de Paris et du ministère. Aujourd'hui, sont-elles bien présentées dans les grands manuels, en cartes et en photographies? Jour de verglas. En peu de jours, d'abondantes pluies verglaçantes avait recouvert tout ce qui pouvait l'être dans la région. De nombreux câbles aériens avaient cédé sous le poids de l'eau gelée. Les arbres étaient magnifiques. Leurs branches dénudées brillaient dans la lumière solaire, enveloppées mystérieusement par la matière minérale translucide. La route principale du village était empruntable par les véhicules, mais des ruelles entières ne l'étaient pas encore. Après avoir reçu de mes parents des conseils de prudence, je passai par l'une d'elles pour rejoindre l'autocar qui devait m'emmener au collège. Quelle ne fut pas ma surprise lorsque je la découvris transformée en une grande patinoire naturelle. Ce fut pour moi irrésistible. Comme elle était pentue et qu'il me fallait descendre, je me tins fermement debout en bon équilibre pour ne pas tomber. Puis je propulsai mon cartable en cuir par un vigoureux mouvement du bras le plus loin possible au milieu de la chaussée. Il la dévala allègrement avec ses livres, trousses et cahiers. Cet instant de joie extraordinaire, partagé avec la nature, me permit d'oublier pendant quelque temps les tracas de la scolarité. Bataille de craie sur le tableau noir. Fait extrêmement rare, nous attendions, installés dans notre salle de classe,
l'arrivée du professeur de français qui était en retard. Ces minutes trop longues furent brusquement interrompues par une distrayante, quoique inquiétante, mini-tornade collective qui prit forme autour d'un premier jet de craie sur le tableau noir provenant d'un camarade connu pour son caractère turbulent. J'eus le tort de me joindre tardivement au petit groupe qui mettait la classe en émoi en faisant s'éclater un essaim crayeux contre le tableau. Le professeur arriva et tonna, mettant d'un coup fin à l'agitation bruyante. Certains furent vite identifiés, mais il insista pour connaître tous les coupables. Un élève, qui ne devait pas m'aimer beaucoup, me dénonça. Le professeur, surpris mais ferme, me questionna. Effrayé, je préférais lui mentir. « Non, je n'ai rien fait !»« La suite tragique et déplorable me donna raison. » Car j'ouïs dire qu'en plus de se faire sévèrement coller, les membres du petit groupe arrêté reçurent chacun une mémorable gifle de la directrice dans son bureau. De quoi rendre plus insupportables encore les milliers d'heures passées dans l'enclos du collège. Peur. Peur au ventre tôt le matin. Peur d'arriver en retard au collège. Peur d'être interrogé, peur de ne pas savoir. Peur d'être mal noté, peur d'un mauvais bulletin. Peur d'être mal orienté, peur de redoubler. Peur d'être moqué, peur d'être harcelé. Peur du regard d'autrui sous la douche collective. Peur d'un accident lors d'une activité sportive. Peur d'être battu. Peur de ne pas comprendre. Peur de devoir apprendre des matières ennuyeuses. Peur d'être collé et privé de jouer. Peur de ne pas y arriver. Peur de décevoir les proches. Peur, peur, peur. Peurs au collège comme ailleurs. Quand certains sports n'en sont pas. Un enseignement sportif me choqua particulièrement. Sans doute aurais-je dû m'y opposer ouvertement. Mais je pense que cela était trop difficile pour moi. La société exerce un pouvoir abusif sur les enfants, et son vice alla jusqu'à exiger que je m'entraîne à lutter avec des camarades de classe. Qui sortirait vainqueur de chaque nouveau combat? Peu importe. C'est l'idée même du sport qui est altérée depuis longtemps dans de nombreux pays du monde. Certains parlent même d'arts martiaux et corrompent ainsi l'idée de l'art. En attendant que l'humanité s'apaise définitivement, il me semble légitime que l'on trouve ici ou là une utilité à toutes sortes de pratiques d'autodéfense corporelle. Stricto sensu, le sport est jeux et amusements physiques, incluant parfois l'expression de qualités intellectuelles ou artistiques. L'État,
devrait ranger dans un autre domaine d'activité les faux sports, qui comprennent aussi l'escrime, le tir à l'arc et l'usage d'armes à feu dans les compétitions, et cesser d'en imposer la pratique durant la scolarité. Aux Jeux olympiques, l'important est de participer, nous dit-on. L'amitié entre les peuples, au travers de combats ou de concours d'habileté dans le maniement d'armes, c'est pour moi définitivement non. Le dangereux mélange des cours de chimie et des troubles de l'affect. Enseigner la chimie à des adolescents est une grande responsabilité. Notre professeur, pour cette matière, nous engagea un après-midi sur un terrain dangereux lors de travaux pratiques. La demande nous fut faite de suivre soigneusement, en binôme, un protocole de synthèse d'un ester. Les fleurs, les fruits par exemple, produisent naturellement des molécules de la famille des esters qui leur confèrent, avec d'autres composés, un bouquet odorant que chacun peut trouver plus ou moins agréable. Il y en a également dans des boissons fermentées, telles le vin. Nous avions reçu la consigne de bien refroidir avec de la glace le ballon de verre dans lequel les réactions de la synthèse auraient lieu. Nous dûmes procéder très lentement, sans remuer brusquement le récipient, afin de ne pas faire exploser un composé intermédiaire très instable, différent de l'ester. De ce fait, une tension psychique particulière domina le groupe pendant toute la séance. Finalement, celle-ci se déroula bien. Et ce fut une vive satisfaction pour la classe et l'enseignant, en même temps qu'un grand soulagement. Il est très surprenant que cette expérience, certes bien encadrée, mais réellement dangereuse, ait été inscrite au programme des lycéens. D'autres connaissances ont été transmises lors de ces cours, concernant notamment la synthèse de substances explosives à partir de produits plus ou moins courants. L'adolescence est une période de la vie souvent douloureuse ou troublée, dans une société qui abîme les enfants et manque de prudence. Il arrive parfois, hélas, que des jeunes gens meurent ou soient grièvement blessés en mélangeant des produits animés d'intentions plus ou moins mauvaises ou défaillantes. La conquête de l'univers par des repères spatio-temporels. La représentation fréquente des repères de coordonnées spatio-temporelles et d'autres repères, sous la forme de flèches qui partent d'une origine dans l'enseignement de la physique et d'autres sciences, témoigne de la difficulté chez ceux qui l'emploient à s'accorder consciemment avec les fondements de l'univers. Alors que la flèche détruit et tue, l'univers s'expanse longuement et donne naissance à des milliards de mondes dont les plus complexes fourmillent d'êtres vivants
d'une variété extraordinaire et en nombres immenses. Un monde qui débute par des flèches ne peut exister. Une humanité qui ne respecte pas la vie sur des points essentiels ne peut durer et être heureuse au sens où celle-ci l'entend. Récréation théâtrale. Racine accueille un vers. Brève improvisation. Il n'est pas si difficile de faire entrer un vers chez Racine. Cela commence par la scène. Qu'un acteur, à un moment, ne se souvient plus de lui, le souffleur aussitôt peut le représenter, chose impossible pour Tellorix, Kiwi ou Pangolin. Et s'il ne s'envole pas, tel un beau papillon, de la main d'un amateur peu familier des planches, il s'inclinera alors sous les acclamations pour de joyeuses salutations. Qui vient là? Ah, c'est toi! Entre, Nématodès! Quelles nouvelles portes-tu en cette heure tardive? Philoxère est dehors au grand Cabernétus. L'Atlantique en secret, elle vient de traverser. Pour toi et tes alliés, les Vitis vinifères, elle a un plan terrible. Dis-moi, quel est ce plan? Si vos peuples consentent à de lourds sacrifices, pour très longtemps, bientôt, les châteaux des villes nobles, oppresseurs séculaires à l'infâme héraldique, ne seront plus que ruines dans l'Europe tout entière. Alors, soit, fais entrer sans tarder, Philoxère. Nous allons plus avant discuter de son plan. La fausse nouvelle de Noël. Petit papa Noël, quand tu descendras du ciel avec des joujoux par milliers, n'oublie pas mes petits souliers. Nous étions bientôt prêts pour célébrer Noël. Ce moment de répétition hebdomadaire était très apprécié à l'école, et nos cœurs battaient chaque fois plus fort à l'approche du grand soir. Pourtant, cette année-là, je dégringolais d'aussi haut que le Père Noël en qui j'avais fini par croire. Mes parents, qui traversaient de grandes difficultés financières, déposèrent le fameux soir dans les sabots de bois que j'avais placés sous le sapin une simple orange. Ils m'appelèrent. À la découverte du modeste cadeau, je me sentis très triste. Voyant cela, ils m'expliquèrent avec tout leur sérieux que le Père Noël n'existe pas. J'en fus bouleversé et ne compris pas la raison d'un si grand mensonge. Depuis, je sus qu'il fallait faire bien attention à ce que les grandes personnes racontent. Paris l'international laisse mourir des langues. What time is it, please?
Wie viel Uhr ist es denn, bitte schön? La plupart des écoliers de France ont appris l'une ou l'autre de ces phrases pour demander l'heure à nos voisins de Grande-Bretagne ou d'Allemagne. L'enseignement de l'anglais est le plus dispensé de toutes les langues vivantes étrangères. L'intense activité économique des États-Unis d'Amérique, le cinéma, la chanson et la musique populaire de ceux-ci et d'Angleterre au succès mondial ont largement contribué à l'internationalisation de l'anglais et de l'américain. Cependant, le grec et le latin, deux langues mortes de la culture sud-européenne, sont également enseignées aux collégiens et lycéens français. Je serais heureux que ces études linguistiques, imposées ou facultatives, soient enrichies de nouveaux programmes consacrés à l'enseignement des principales langues régionales de France en voie de disparition ou déjà mortes. Mon grand-père paternel me dit un jour en patois franc-comtois, tandis que tombait une jolie grêle de printemps. Ce sont les chèvres d'Évry, ce qui signifie les chevreaux d'avril. Si je n'avais pas apporté ces paroles, peut-être aurions-nous perdu quelque chose de simplement poétique et réjouissant. Hélas, je n'ai pas appris à demander l'heure dans ce patois, mais ce me semble moins important. What a beautiful weather! Trop de mathématiques et problématiques. 2 × 157 donne 314. Lequel divisé par 100 donne 3,14, qui est une valeur approchée du nombre pi. Lequel multiplié par 2 est la mesure grand R du rayon, donne la circonférence des roues de la bicyclette de l'institutrice, laquelle, ayant traversé 1 km de campagne en environ 12 minutes, ce qui lui prendrait à peu près 1 heure en marchant, gare promptement sa mécanique et annonce sitôt entrée dans la salle de classe le nouveau chapitre de géométrie. Les 360 degrés du cercle et les mesures angulaires. Le titre est inscrit avec une écriture parfaite en haut du tableau noir et souligné d'un long trait de craie blanche, tiré à la règle, s'il vous plaît. Le printemps s'est installé depuis plusieurs jours et le soleil apporte la douce chaleur attendue de longs mois. Soudain, un très beau chant d'oiseaux couvre l'exposé de l'institutrice qui avait entrouvert une fenêtre. Notre joie de l'entendre et notre amusement ne passent pas inaperçus et la fenêtre est refermée brusquement. Un élève s'exclame « Madame, c'est un merle! Ce n'est pas le sujet du cours !» répond-elle sèchement. Et chacun de prendre son stylo pour recopier le problème, sachant qu'une roue de vélocipède compte 30 rayons, combien de degrés angulaires séparent chaque rayon de ses voisins les plus proches? Les astronomes attaquent la planète rouge. L'enseignement étatique s'aligne en principe sur la connaissance produite notamment par la science académique, si bien que des fautes d'éthique de celle-ci apparaissent dans les programmes scolaires. À titre d'exemple, les planètes du système solaire de la Terre portent des noms de divinités de la Rome antique auxquels plus personne ne croit aujourd'hui. Ce curieux polythéisme
altérait fortement la capacité naturelle des individus à avoir une conscience juste et profonde de la réalité. Le maintien des noms des dieux romains par les astronomes, auxquels il convient d'ajouter la longue nomenclature des constellations héritées des vieilles cultures gréco-latines et chrétiennes, est un grand manque de respect envers la nature et en particulier les humains. Et si certains pensent, ce qui est mon cas, que l'univers a été généré par une source divine, la tradition antique et moyenâgeuse de ces scientifiques peut leur sembler alors d'autant plus choquante que la plupart d'entre eux refusent d'envisager une origine divine parmi d'autres hypothèses pour la naissance de l'univers. Mais je songe beaucoup à cette pauvre planète voisine de la Terre, très convoitée avec la Lune. Comment peut-on supporter de donner le nom d'un dieu de la guerre à ce bel astre innocent, qui devient progressivement une poubelle des industries de pointe dans l'exploration spatiale? Ce n'est pas Mars qui agresse l'humanité, ce sont les astronomes qui attaquent la planète rouge. J'aurais certainement encore beaucoup à vous dire, mais cela suffit. Voici donc que l'école est tombée et se retrouve en mille morceaux.